Bienvenue, chers amis, au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs qui m'ont inondé toute la saison, je suis rempli de plein de choses sur mon visage et sur mon corps. C'est avec plaisir que je suis avec ceux qui vont vous informer ce soir. D'abord, Jean-François, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va bien, merci, je récupère un peu ma voix. Vraiment, mais t'as vu ça, un peu, bon. C'est un sale virus. Je vais vous parler du programme des fêtes de fin d'année, puisque c'est la dernière. Et je vais faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe en France, dans les bonnes maisons de culture. Valérie Beau. Bonsoir. Eh bien, écoutez, moi, j'ai découvert une perle violette, un livre merveilleux qui s'appelle justement « Écrire à l'encre violette » et qui reprend l'histoire de la littérature lesbienne de 1900 à nos jours. Étienne Mauvais-Fabre, bonsoir. Bonsoir Brahim, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous proposer 3 livres à glisser dans les chaussettes de Noël de vos adolescents avec des personnages lesbiens, trans ou asexuels et aromantiques. Promis, chéri, ça va entrer. Ça va glisser tout à l'heure justement avec Étienne Mauvais-Fabre. Il est sponsorisé par Jean-Paul Gaultier avec son super beau pull Nicolas Révidi, le plus de l'actu. Oui, eh bien, bonsoir à toutes et toutes chères auditeurices. Ce soir, un plus de l'actu en hommage à Étienne Mauvais-Fabre justement. Et comme c'est bientôt Noël, nous allons donc parler de boules dans cette chronique. Le biais de la bonne humeur tout à l'heure avec notre ami Antoine. La bonne humeur, oui. Ah oui. Moi, je vais vous parler de... Oui, je vais vous parler du masque LGBT du Rassemblement National. Ah oui. Très bien. C'est un peu sérieux. Mais... Bonsoir. Et 4 DVD à offrir absolument à vos amis. Merci de rester avec nous. Salut Nathan qui réalise cette émission. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Avec une pause musicale tout à l'heure, ça va, merci. Ça va très très bien. Merci de rester avec nous. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous arrivons de toute façon en fin d'année avec l'astrologie astro-pourriel avec notre amie, bien sûr, Annabelle Guiraud. Bonjour à tous et tous, et pour cette dernière chronique de l'année, rien de mieux qu'un petit astro-pourriel et voir ensemble ce qui t'attend pour 2023. Allez, c'est parti pour ton horoscope décalé. On commence par le signe du moment, Sagittaire. Brahim, Étienne, vous êtes prêts à vous lancer dans 2023 ? Parce que ça va être un mélange de Koh-Lanta et de Jour du Seigneur, hein, je m'explique. Si, tantôt dans l'introspection, tantôt dans la recherche d'aventures, de sensations. Allez ma petite Dora, 2023 sera ton année de grande exploratrice. Capricorne, Calimero, cette nouvelle année est la tienne. Tu es déjà en train de préparer 2023, tout est processé. Il n'y a plus qu'à attendre la première seconde du 1er janvier pour appuyer sur le bouton et enclencher tous tes projets. Tiens, Terminator, aucun obstacle te résistera. Succès garanti sur tous les plans. Verseau. À ce qui paraît, tu veux faire la révolution dans ta vie. Les As m'ont dit que tu avais envie de nouveautés et de piquant en amour. Au boulot, tu te la joueras à l'Einstein. Créer, développer, ton dada. Quant à la santé et l'argent, tu n'auras pas l'âme d'un révolutionnaire. Ça roulera pour toi. Poisson, en 2023, tu seras souple sur tes nageoires arrière. En d'autres termes, tu vas être plus adaptable et te permet d'évoluer plus vite. Cette agilité t'ouvrira des opportunités jamais imaginées. Tu veilleras cependant à prendre un peu de temps pour toi, au risque de te brûler les écailles avec toute cette effervescence. Bélier, en 2023, tu es le Sing Star, The Star, irrésistible et warrior sur tous les sujets, amour, travail, santé. À l'exception des finances, et oui, ce n'est pas qu'on change d'année que tout à coup ton compte bancaire va basculer miraculeusement au vert. Tu crois au Père Noël ou quoi ? Taureau, en 2023, vas-y, fonce, corne baissée, tout va te réussir. Nouvelle rencontre, nouveau projet, un petit ador qui continuera à faire des petits. Une sérénité à toute épreuve. Si ton lit n'était pas ton fidèle compagnon, tu pourrais presque devenir super-héros 2023. Gémeaux, avec ton énergie et ta gouaille légendaire, tu vas te dessiner une belle année 2023. Autrement dit, des rencontres à gogo, des projets pro, plein la tête. Contrepartie oblige, tu auras besoin de te ressourcer en talosso. Pendant un week-end à Deauville, par exemple. Pourquoi pas plus ? Ben, parce que sinon, c'est le banquier qui ira te chercher. Cancer, mon petit crabe, tu es étonné si je te dis que tu agiras principalement par instinct, par les sentiments en 2023 ? L'expression « le cœur a ses raisons que la raison ignore » te va comme un gant. Mine de rien, cela pourra te permettre d'oser. Tu auras de l'audace. Allez, vas-y bébé, écoute ta vibe émotionnelle. Lion, si je te dis, tu vas rester pépouze à glandouiller dans ton transat au soleil. Tu me crois ?
Non, t'as raison. C'est tout le contraire. Encore un sacré programme qui t'attend pour 2023. Plein d'énergie pour embrasser et défendre tes projets pro. En amour, tu seras l'architecte de ton histoire. Et ça, ça te fait au cœur, ça te fait chaud au cœur. Même si ton porte-monnaie jouera du yo-yo. Ça, c'est pas grave. Vierge, sacrément vortexé tu seras en 2023. Tu vas bousculer ta zone de confort, évidemment. Comme tu sors de ton train-train routinier, tu seras tout nerveux. Qui plus est, tu devras la jouer sobriété économique. Tu ne pourras pas te faire du bien sur venteprivée.com. Mais retiens une chose, ce changement radical va payer en amour et au travail. Balance. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Véritable capitaine de ton embarcation, tu navigueras vers de nouveaux caps. Ça te stressera un peu, tu pourras avoir des petits coups de calgon par moment, mais c'est rien par rapport à ce qui t'attend. De l'amour sur toutes ses formes, de nouveaux horizons professionnels et des finances au beau fixe, voire même une belle surprise sur ce sujet. Allez, go pour 2023. Et enfin, on va terminer par le scorpion. Tu auras la pêche et vas mettre le champignon pour aller au bout de tes ambitions. Grande confiance et prise de risque en 2023. Ça va payer pour le boulot, le compte en banque et même que tu pourras enfin céder à l'investissement de tes rêves. C'est pas toi qui me parlais de l'achat d'un appartement à Mykonos ? Oh, tu vas être fière ! Mais peut-être un peu trop en 2023. Dans l'intimité, ça pourrait faire des vagues. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci Annabelle pour cette astrologie. Moi qui me vois, et je suis sûr qu'autour de cette table, ça vous va tous, je pense. Hein. Vous allez dire tous un gros oui. Oui. Hein. Ah oui. 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 Merci Annabelle, tu reviens donc l'année prochaine avec... Effectivement, ouais. Je reviens dès la première émission de 2023 ouais. Avec un interview. Oui, on va parler sport, ouais. Mais je n'en dis pas plus. Merci Annabelle, on t'embrasse, passe de bonnes fêtes et à très très vite, à l'année prochaine. Merci les amis, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À gros très vite. Bisous. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Merci Annabelle. Tout de suite on enchaîne avec notre ami Antoine Duvignal avec son super bon billet d'humeur. Oui, alors, le saviez-vous hein eh ben, le Rassemblement National est le parti qui a envoyé le plus grand nombre de députés homosexuels à l'Assemblée nationale en juin dernier. Non. Et si, d'après le magazine Têtu, en croisant les sources, on peut dire qu'entre 20 et 25 députés du RN sur 89 seraient gays. Certains le sont ouvertement, d'autres moins. Le RN est ainsi un parti où près du quart des députés sont homos. Un record pour n'importe quel parti, à souligner encore plus lorsqu'il s'agit d'un parti d'extrême droite. Une situation dont le Rassemblement National tente de faire un atout. Quoi ? L'homophobie, nous ? Ben on connaît pas. Regardez tous les élus gays que nous avons. Ben voyons, comme dirait l'autre. Ah, la jolie vitrine. Petit problème, ce qu'il y a dans la boutique est beaucoup moins sympathique. Le discours est présentable, mais les faits sont têtus. Regardons de plus près. Étonnante contradiction ou belle hypocrisie, le Rassemblement National s'est constamment opposé avec une remarquable persévérance à toute avancée des droits LGBTQI+. Il a été opposé au PACS, encore plus au mariage pour tous, opposé à l'ouverture de la PMA pour toutes, sans parler de la GPA, et la liste n'est pas exhaustive. Dans l'actualité LGBT, il ne manque jamais une occasion de se révéler tel qu'il est. Ainsi, au mois d'octobre dernier, une actualité tragique, nous apprend que deux jeunes hommes ont été tués par balle devant un bar gay de Bratislava en Slovaquie. Voilà qui ne fait plus sourire du tout. Le meurtrier, retrouvé mort, est décrit comme un adolescent radicalisé, fils d'un membre éminent du parti d'extrême droite slovaque. Très réactif dans les jours qui suivent, le Parlement européen adopte une résolution dénonçant ces crimes de haine et appelant à plus de sécurité pour les personnes LGBTQI+. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva Les députés. Les 12 députés RN européens présents pendant la séance votèrent contre. Eh oui. Dans une belle unité, les personnalités du Rassemblement National, ouvertement gays, prennent régulièrement des positions qui ne servent pas à la cause LGBT. Tenez. Prenez Jean-Philippe Tanguy. Ah celle-là.
un brillant garçon, en tout cas aux yeux du Rassemblement National, puisque c'était leur candidat à la présidence de la Commission des Finances. Vous voyez, Tanguy, ça vous dit quelque chose ? Mais si ! C'est celui qui, à la tribune de l'Assemblée nationale, s'adressant à l'opposition de gauche, hurle « Taisez-vous !» en poussant sur les aigus. Eh bien, ce jeune espoir de l'extrême droite qui s'autoproclame héros des LGBTQI+, en son temps, s'était rapproché de la Manif pour tous et avait participé à des tables rondes prônant l'affirmation de la filiation traditionnelle et l'union civile. Très récemment, c'est encore Sébastien Chenu. Vous voyez Sébastien Chenu ? Oui, 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 une grande dame. Vice-président de l'Assemblée nationale, ancien fondateur de Guélib, qui a proposé de renommer, attention, groupe d'études sur la discrimination, le groupe d'études LGBT-phobie de l'Assemblée nationale. Un groupe qui permet en réalité aux députés qui en font partie de rester informés et de suivre l'actualité LGBTQI+. Discrimination. Mais quelle jolie façon de noyer le sujet. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier Marine Le Pen, hein, elle-même, qui pendant la campagne présidentielle de 2022 est allée chercher en Hongrie l'appui de Viktor Orban, ce grand progressiste et défenseur des libertés LGBTQI+, qui fait voter des lois discriminatoires, LGBT-phobes, et rend la vie de toute cette communauté de plus en plus difficile. Voilà. Oui, le RN tente désespérément de lisser son discours sur les LGBT et d'éluder ses questions. Mais c'est peine perdue. Il est toujours rattrapé par les faits. Décidément, les couleurs de l'arc-en-ciel n'arrivent pas à imprimer sur son masque. Merci pour cet éclairage. Bravo. C'est une superbe aussi chronique. On peut applaudir. Bravo. Un éclairage, mais je ne savais pas qu'il y avait tant de, de gays et au sein du Rassemblement National. Si, c'est même, en proportion, c'est même le parti qui a le plus d'élus gays. Voilà. Enfin, dans la mesure où on peut le savoir scientifiquement. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Bien, écoutez, on va enchaîner avec une chronique qui va nous faire du bien et qui va faire du bien aussi à ces gens du Rassemblement National, parce que Nicolas, dans le plus de l'actu, va nous parler d'un collègue qui s'appelle Étienne Bompé-Femme. Il va nous parler de lui, donc... non, il faut que tu parles, je vais te laisser la parole. Vraiment, tu as plein de choses à dire à son sujet, Nicolas, vraiment. C'est bien parce que la chronique aurait pu être lue par toi, mais non. Que tu t'es désengagé de cette mission que je t'avais subrepticement confiée sans que tu sois au courant. Mais c'est pas grave. Parler des miennes serait un peu vulgaire et prêterait trop le flanc et pas assez le reste. Alors que parler des tiennes, c'est parler avant tout d'une forme de génie créatif qui s'articule à merveille avec une modestie rare, une modestie qui ne dit pas son nom propre aux plus grandes et aux plus grands. On peut citer Pelpel, François Villon, Jean Manson, Marilyn Manson ainsi que le reste de la famille Manson, mais aussi Loana, Louise Labbé, La Fontaine, Racine ou encore MacArthur Glenn, Annie Ernaux et bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Modestie et humilité, car s'il a obtenu le prix du roman gay pour son premier roman intitulé « Tuer le bon gay », dont il fait d'ailleurs lui-même une excellente critique sur son propre blog, modestie donc, Étienne, c'est resté abordable, comme en atteste la fraîcheur de ses posts qui inondent les réseaux sociaux, de la littérature bien sûr, mais aussi ce petit supplément d'âme qui nous fait dire, en voyant la mèche flottant dans le vent ou la moustache en bataille, ce type est incroyablement humain. Récemment, Étienne a posté une vidéo dans laquelle, plus jeune, il se tortillait les fesses torse nu, fouetté avec une ceinture de peignoir de bain dans une salle du même nom, rennaise, à l'occasion d'une soirée trop arrosée. Étienne crève l'écran, mais c'est dommage, on fait de la radio. Il nous fait du bien, Étienne, à nous qui sommes tapis dans la médiocrité, en nous offrant une fenêtre sur l'excellence, excellence qui trouve là un serviteur d'exception, excellence dont il ne convient pas de rêver tant elle est proprement inaccessible. Un peu comme si l'on comparait Redcar à Bowie. Voilà, l'effet est tombé. L'effet est tombé à plat. Encore, Étienne, n'aurait-il que la littérature pour talent, cela limiterait notre sentiment d'impuissance. Or, que nenni, il n'en est rien, la Zouz est aussi photographe de la pénombre, tirant ainsi la meilleure moitié de ses modèles. Saint-Germain bruisse déjà de l'impatience de la foule, avide du suc créatif, et pourtant c'est dans un autre centre de Paris qu'il coule une vie paisible dans un triplex humble de 253 mètres carrés, pavé de tomates rouges émotives avec... comble du délice, un ascenseur privé reliant des étages. J'y arrive plus. Et un petit cagibi amoureusement surnommé le cabinet des soupirs. Pas avare de répartie quant à sa vie d'homme marié dissolu,
ou vie dissolue d'homme marié ou vie tout court qu'il parcourt de partout en tasse de thé. Qui peut deviner pourtant que sous ses airs sérieux et ses costumes façon Men at Play qu'il porte quand il lui prend de travailler en présentiel, sommeille un jeune artiste torturé qui n'hésite pas à pointer son glaive acerbé et humide sur tout type de sujet. Sujet qu'il évoque pour produire très souvent ici des chroniques sur l'actualité LGBTQI+, plus d'une qualité rare, beaucoup plus factuelle et beaucoup moins sirupeuse que celle de Nicolas Rividi, je ne sais pas qui c'est. Bref, le talent sans autre qualificatif. Ce troublion médiatique s'est astiqué notre curiosité et aussi nous fait réfléchir, puisque l'édite chronique débouche souvent sur un tour de table qui est surtout là pour tester l'assiduité de ses premières auditrices, à savoir la fière équipe qui décore cette table. Et petit ainsi, je voudrais toutes et tous vous remercier d'être là, et pour certaines et certains depuis plus longtemps. Big up d'ailleurs à Éric Garnier, qui a fait sa première chronique DVD sur cette antenne en 1922 et dont nous fêtons le centenaire à l'antenne avec beaucoup d'émissions et donc beaucoup d'émotions. Incise longue, car cet hommage aux anciens ne serait pas complet, et c'est Brahim qui devait dire ça sans un clin d'œil à notre ami Nicolas Rividi, qui fait quand même un super boulot bénévole, il faut le rappeler, ce qui n'est pas le cas d'Étienne, qui facture qui facture ses chroniques. Tu vas pouvoir finir, Nicolas. Ouais. Il palpe ainsi de 400 à 800 euros chaque lundi. Il y a un accord tacite qui permet de ne pas facturer au-delà de 800 mots. Bon, je ne sais pas si c'est bien le moment d'en parler. Bref, cette question est un peu longue. Mais je vous promets qu'elle n'a pas été écrite par Augustin Trapenard. Hein. C'est toujours Brahim qui devait parler et qui s'est désengagé. Mais je voudrais aussi rajouter qu'en tant qu'animateur d'un certain âge, j'ai vu défiler de derrière, pardon, des animateurs talentueux, que rarement j'ai retenu leur prénom et leur nom de famille, et qu'Étienne ne fait pas exception. Mais malgré ce qui pourrait apparaître de ma part comme du désintérêt, on a forcément plaisir à côtoyer un être aussi sublime. Alors, question simple, Nicolas. Qui est Étienne Fombépa... Qui est Nicolas Bonfait-Fan? Eh ben, je me dois de répondre. Bon, il y en a marre de ces questions hyper longues, Brahim. Là, j'ai plus vraiment le temps. On en reparlera plus tard à l'année prochaine. Merci, je suis vraiment désolé. Effectivement, c'était moi qui devais lire ce texte de Nicolas. Non, mais finalement, c'est normal que ça revient de toi. Merci. On a vraiment beaucoup. On avait beaucoup ri. Et moi, vraiment. Mais quel talent, Nicolas! Bon, quel talent. En fait, tu es passé de la poésie bucolique de l'Islande la semaine dernière à un comique troupier. Exactement. Mais tu as, au CNRS, on a un échantillon de talent. Mais qu'est-ce que tu vas nous faire l'année prochaine? Oh là là. Mais Nicolas, tu nous as pas parlé de Sylviana? Sylviana. C'est qui? Sylviana. Étienne, explique. C'est celle qui me fouette, cette fameuse vidéo. Dans la vidéo que tout le monde peut voir sur, rappelle-nous, Twitter. Alors, on va demander. La version longue est sur Pornhub. Lorsqu'on mettra en ligne l'émission audio, on va demander à notre réalisateur technicien de s'arranger pour obtenir cette vidéo, parce que des gens comme par exemple Éric Garnier ne l'ont pas vue, et toutes les auditeurs qui nous écoutent méritent aussi de voir ces belles images. Et nous allons donc qui maintenant. Qui n'est pas encore sorti en DVD, c'est voilà, pour ça mais que. Mais ça vient, ça sort. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. De belles images de face. Hein. Effectivement. Bien le préciser. Et pas de fesses. De fesses. Et alors justement, Étienne, comme je sens la solitude de Valérie là, femme cette semaine. Elle va prendre la parole. Franchement, voilà, bon. Valérie. Tiens, bon, je te soutiens. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Valérie, elle va tenir bon, et justement comme. C'est un peu la star ce soir, Étienne Bonpéfam. Tu vas donc poursuivre en nous donnant les bons livres pour terminer l'année, Étienne. It's time. Mais oui, Brahim, merci pour cette petite intro musicale. J'adore toujours autant ta douce voix. Donc oui, plus que quelques jours avant Noël et surtout pour finir vos emplettes. Il vous manque un ou deux cadeaux pour vos adolescents, pas de souci, je vous donne trois idées de livres ce soir. Ces romans pour jeunes adultes sont tous anglais et ont tous été publiés chez Hachette. Le premier que je vous propose est After Love de Tanya Byrne, paru en 2022. Nous sommes en Angleterre, c'est l'histoire d'amour entre deux adolescentes que tout semble séparer de prime abord. Ash est d'origine guyanaise et évolue dans un milieu très populaire. Poppy, quant à elle, est blanche et riche.
La première est dans un lycée public, la seconde dans un lycée privé pour adolescents riches. Elles se rencontrent lors d'une sortie scolaire qui rassemble les classes des deux filles. Commence alors une très belle, mais surtout une très courte histoire d'amour. En effet, à quelques minutes du nouvel an, alors que Cash rentre d'une soirée sur la plage, elle se fait écraser et meurt. Fin. Au début, elle rencontre alors Dev qui lui explique qu'elle est une grande faucheuse. Désormais, Ash accompagnera les personnes ayant péri d'une mort violente vers l'au-delà. Même si Ash est morte, elle reste physiquement présente dans le monde des vivants à quelques altérations près. Son visage est suffisamment différent pour qu'elle ne ressemble plus tout à fait à elle-même. Elle ne respire plus, elle n'a plus de goût et elle ne peut pas entrer en contact avec les personnes qu'elle connaissait vivantes. Sinon, ces dernières meurent. C'est donc la fin de cette belle histoire d'amour qui commençait avec Poppy. Vraiment ? Eh bien, vous le saurez en lisant le roman. Même s'il lui manque la profondeur d'Adam Silvera, certains thèmes d'After Love sont très intéressants. La mort, le deuil évidemment, mais aussi la question raciale et son racisme ordinaire, ou celle des classes sociales. Ce livre n'est pas très original pour moi qui étais fan de la série Dead Like Me dans les années 2000, mais il sera parfait pour une adolescente. Restons en Angleterre avec Normal de Lisa Williamson, paru en 2017. Nous sommes dans une petite ville de Grande-Bretagne. David est au lycée privé d'Eden Park. Hormis Essie et Félix, il n'a pas beaucoup d'amis. En effet, le reste du lycée le considère comme un monstre depuis ses 8 ans. Pourquoi ? Parce que lors d'un exercice commun où la maîtresse a demandé à tout le monde d'écrire ce qu'il voulait être plus tard, David n'a pas déclaré vouloir être footballeur, premier ministre ou Harry Potter comme les gamins normaux. Non, lui a noté « je veux être une fille ». Normal nous propose de suivre le quotidien de cette jeune fille piégée dans un corps d'adolescent, des difficultés de voir son corps prendre tous les jours de plus en plus les attributs masculins au regard violent de ses camarades, en passant par le sentiment de solitude qui l'étreint lorsqu'elle se retrouve seule dans son lit le soir alors que le monde s'amuse. Mais sa vie change lorsqu'un garçon arrive de Cloverdale, une ville voisine pauvre réputée pour ses cas sociaux. Léo est taciturne, ne se mélange pas et traîne une sale réputation. Pourtant, ce garçon l'envoûte et elle ne sait pas pourquoi. Ce livre est très bien construit et la traduction assurée par Mathilde Tamei-Bouon vraiment fine. Elle a réussi l'exploit, selon moi, de ne jamais mégenrer David sans que cela se voie. J'ai peu lu de livres sur la transidentité, mais je trouve que celui-ci présente bien les tourments vécus par les personnes transgenres. En effet, aujourd'hui, l'homosexualité est globalement acceptée, voire tolérée dans certains endroits. Dans le milieu socio-professionnel et culturel dans lequel grandit David, la question de la sexualité ne se pose plus, mais celle du genre, eh bien, c'est toujours une problématique jamais anticipée par les parents que vivent mal les enfants concernés. Ce roman est un livre qui ressemble à tous les livres pour jeunes adultes, mais le fait qu'il se trouve au Royaume-Uni le rapproche vraiment de notre vécu européen. Ça fume, ça boit, trop, ça jure, et c'est bien. Lisa Williamson nous propose véritablement un young adult avec de la rugosité, ce qui peut parfois manquer aux Américains. Un très beau livre que nous devrions tous lire. Il incarne la transidentité, met des mots sur des mots et de la beauté, et se lit parfaitement bien. Offrez-le à tous vos ados. Le dernier livre que je vous conseille est Loveless d'Alice Osmond, l'autrice de Heartstopper, paru en 2022. Pour marquer la fin du lycée, une soirée est organisée et ce qui devait arriver quand on organise une soirée d'adolescents arriva. On joue à un jeu dont l'objectif est de s'embrasser. Le problème, c'est que Georgia n'a jamais embrassé personne, ni fille, ni garçon. Cela fait 7 ans qu'elle est attirée par Tommy, le plus beau du lycée, avec son air à la Timothée Chalamet. Alors, le moment attendu, tant rêvé, tant fantasmé, vient, ils vont s'embrasser. Et puis non, Georgia prend ses jambes à son cou, il ne se passera rien. Loveless raconte le parcours de Georgia, qui essaie non pas de trouver l'amour, mais la passion. Ni les garçons, ni les filles ne l'attirent. Elle va tout tenter pour faire naître ces flammes qui brûlent au fond de tout jeune adulte, jusqu'à ce qu'elle comprenne que non, elle est aromantique et asexuelle. Le savoir est-il libérateur ? Pas vraiment. Sa sexualité signifie une seule chose pour le reste de sa vie, la solitude. Vraiment ? Le thème même de Loveless est passionnant. En 2022, on entend parler des gays, des lesbiennes, des bi et des trans. Quand on n'entre pas dans la case de l'hétérosexualité et que l'on aime une personne de son propre genre, on sait dans quel cas se situer. Mais le parcours d'une personne aromantique et asexuelle est compliqué. Une scène du roman le montre bien. Quand Georgia fait un quiz sur internet pour savoir si elle est hétéro, bi ou gay, la réponse que sort l'algorithme est une erreur. Voilà comment se sent Georgia et probablement beaucoup de personnes asexuelles qui se cherchent encore. L'absence totale de représentation joue sur le parcours délicat de sa propre acceptation.
Ce roman est précieux également parce qu'il montre combien la communauté LGBTQI+ vit des épisodes similaires comme le coming out, mais est-ce plus compliqué pour une personne aromantique ? Quand elle explique qu'elle n'aime ni garçon ni fille, oui, elle peut recevoir la phrase « tu n'as peut-être pas encore rencontré le bon ». Oui, comme une célibataire endurcie. Sauf que c'est tout sauf ça, ce n'est pas une passade, le problème ne vient pas de l'offre, mais de la demande. Enfin, le titre est vraiment très intéressant, Loveless. Au premier abord, on pense au fait que Georgia ne cherche pas l'amour en tant qu'aromantique et que dans ce cas-là, elle serait sans amour. Or, comme le disent si bien les Trogs, love is all around, enfin love, Noël plutôt. I feel it in my fingers. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, so le cercle des chroniqueurs. Nous allons passer maintenant à la musique et nous allons écouter notre ami Nathan. Quoi d'œuvre côté musique dans ton domaine ? Bonsoir Brahim et bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes en effet de retour pour une nouvelle revue musicale. Et aujourd'hui, nous allons porter notre écoute et notre attention sur Tristan Diamond. Tristan Diamond est corse. Auteur, compositeur, interprète et producteur, il décide de quitter la Corse pour Paris afin de se lancer dans sa carrière musicale. Et il sort en 2015 son premier album, Love and Revenge, avec le label Codes. Il collabore notamment avec le DJ Carlos Campos qui produit un remix d'un de ses titres de l'album appelé Julian, qui d'ailleurs a terminé sur le top 50 de la plateforme BIA. Oh, Julian, I'm gonna drive you blind.
En 2017, il crée Infrarem Musique et travaille sur des pièces de théâtre en tant que compositeur. En 2022, il compose la bande-son du spectacle T-Rex, Les Joies de l'Open Space, dont le personnage principal est interprété par Antoine Gouy. En même temps, ses titres Julian et Toxic Kiss deviennent la bande originale de deux courts-métrages, dont Air, produit par Harry Roselmack. Il revient avec son album, et son nouvel album Queer, le 25 mars 2022, qui est réédité ensuite en version deluxe le 24 juin 2022, accompagné du titre Future Worlds. L'album pop est composé de 7 pistes, incluant 2 remixes, ainsi que des singles Dracula et Shoot Me With Your Love. Commence déjà par une touche de Infrarem avec ce morceau d'introduction Hello Drama, titre dont j'essaye encore de comprendre le sens. Puis on arrive enfin à Tristan Diamond et on ressent quand même une forte tendance électro dans cet album. Les sonorités des synthétiseurs sont fat, les Junos sont présents et me font penser un peu à la New Age. On retrouve même l'électronique des années 2000 dans Dracula qui me rend un peu nostalgique d'ailleurs de cette période. C'est pour ça que j'adore particulièrement cette chanson. Les autres chansons de l'album sont des chansons électropop dont le style est très présent depuis 2-3 ans, c'est-à-dire avec un peu de funk et de soul dedans. Enfin, on retrouve le Tristan de 2015 avec Circle, et surtout ce côté, on va dire, un peu Lady Gaga-esque qu'il avait dans son premier album, et je pense qu'il devrait continuer à montrer cette originalité dans ses morceaux, tellement j'adore déjà cette personnalité qu'il montre. Bref, que retenir de cet album ? Eh bien, si c'est la première fois que vous découvrez cet artiste, c'est quelque chose que je vous recommanderais. Mais, si vous avez l'occasion d'approfondir et d'écouter plus sérieusement les anciennes chansons, eh bien pour moi, c'est un grand point d'interrogation, notamment sur la cohérence de l'album. Je sais qu'en ces temps, les choses changent, mais j'ai eu l'impression que l'artiste n'a pas vraiment eu le temps de faire ce qu'il voulait et il a assemblé des morceaux dernière minute. Je reste en tout cas un peu sur ma faim pour cet album. Attention, je ne dénigre pas la composition des chansons, je déplore un manque de cohérence et une ligne artistique claire de la part de l'artiste, ce qui se voyait très bien d'ailleurs après la première écoute de l'album. Et puis ensuite après, j'ai essayé justement de me rassurer en disant que ça pouvait mieux aller avec les écoutes suivantes, cependant j'ai toujours encore eu du mal, donc je dis pas que c'est un mauvais album, au contraire je trouve que l'album est bon, mais qu'il pourrait être bien mieux s'il avait eu le temps de réfléchir à la ligne de l'album, étant donné qu'il a fait pas mal aussi de pièces de théâtre sur lesquelles il a travaillé en simultané. Et je pense qu'il a eu beaucoup plus d'occasions aussi de faire notamment Infrarem Musique plutôt que Tristan Diamond. Mais ça fait toujours plaisir de retrouver cet artiste. Merci. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Nous allons passer maintenant au film. Éric Garnier, qu'est-ce que tu nous présentes ? 4 DVD parus chez Optimal. Je vous dirai après sur quel support on peut les trouver. Il y a d'abord Les Amours de Beito. C'est charmant, c'est une comédie dramatique qui aurait pu se terminer beaucoup plus mal. On est en Allemagne et il y a une famille turque qui a un charmant fils. Je vous dis tout de suite le nom de l'acteur, Burak Ates. Il est craquantissime et son problème, devinez, c'est qu'il est homo. Et dans une famille... Ce n'est pas un problème. Non, dans une famille musulmane, c'est pas de bol. Plutôt jeune et plutôt sympa, mais quand lui, il s'assume, mais il a quand même du mal à en parler. Alors,
Il y a le poteau rose va être, si je puis dire, découvert. De charmantes dames de la famille vont annoncer à la maman de ce charmant Beito, tu sais, on peut pas le garder pour nous, vraiment. Tu sais, on a vu ton fils à la Gay Pride. Bref, donc il est amoureux d'un de ses amis qui l'entraîne à la natation, parce que c'est dans le monde de la natation. Quand on l'oblige à finalement aller passer des vacances en Turquie, on se demande si on ne va pas le marier de force. Bon, je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment assez rare, ce genre de film, dans la mesure où, quand même, l'homosexualité dans une famille en Europe, mais d'origine musulmane, on n'en a pas très souvent. Et c'est vraiment bien mené, bien joué. C'est absolument charmant et vous ne terminerez pas l'année avec un Kleenex aux yeux. Par contre, un film qui risque de vous bouleverser, c'est une histoire vraie. Ça, c'est une tragédie qui montre comment, dans l'Allemagne, dans la période URSS, donc quand on était en pleine guerre froide, en quoi, dans l'armée en tout cas, il est quasiment impossible de vivre son homosexualité. Vous êtes surveillé si on a le moindre soupçon sur vous. Et un officier et un de ses soldats, qui lui n'est pas là tout le temps, mais qui est là pour son service, va naître un sentiment très fort entre eux. Firebird, c'est le nom de l'avion de feu, c'est-à-dire le nom d'un avion que pilote l'officier. Un film très fort qui montre que quand même, des progrès ont été faits, peut-être pas en Russie. Les Amours de Beito, dont j'en ai parlé, Firebird, Chambre à louer de Ethan Fox. Vous savez, ce cinéaste, voilà. C'est très, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de drame terrible comme dans ses autres films. C'est un journaliste américain d'origine juive, je crois, qui revient à Tel Aviv, où il est venu il y a longtemps, pour faire un reportage pour son journal. Il est lui-même marié. On voit que le couple donc, a un petit problème autour finalement de la question de l'homoparentalité. Les deux maris ne sont pas sur la même longueur de mouvement forcément. Et ce journaliste, bien qu'il vient une semaine, va louer une chambre chez un jeune homme qui est tout à fait différent. C'est un jeune homme de 25 ans, le journaliste en a 50, et on va voir se confronter deux générations. Et c'est un très beau film, il se passera quelque chose que je vous laisse découvrir, et on quitte ce film tout à fait enchanté. Enfin, je ne le connaissais pas, mais je vous conseille une série qui s'appelle It's a Sin, donc... tout le monde le connaissait sauf moi, c'est un péché, et alors là c'est extrêmement fort, moi ça m'a beaucoup plus touché encore que Queer as Folk. C'est une bande de jeunes en Angleterre qui commencent leur vie sexuelle avec des parents plus ou moins différents, plus ou moins acceptants, au moment où le sida commence. C'est très lourd, c'est très dur, mais en même temps, là aussi, on sort de cette série, pas désespéré, mais avec quand même ce sentiment que même dans les pires situations, il y a toujours une lumière possible qui peut venir de parents compréhensifs ou d'une amie hétéro qui adore ses copains gays. Et j'ai été bouleversé par cette série. Alors, on peut les trouver pour Firebird, donc en Blu-ray, DVD, VOD ou en streaming sur queerscreen.fr. Pareil pour Les Amours de Beito. Chambre à louer est sortie en DVD le 17 et It's a Sin est en DVD et Optimal ajoute en petit prix parce que ce n'est pas une saison qui est ça a quelques années. Quatre thématiques gays, des climats, des fins, des déroulements différents, mais quatre vraiment très bons films. Merci Eric Garnier. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Tu écris le nom de qui ce soir? J'écris à l'encre violette, c'est un collectif, un livre collectif qui s'appelle Écrire justement à l'encre violette, littérature lesbienne en France de 1990 à nos jours, aux éditions Cavalier. Alors c'est l'immense bonheur de flâner dans une librairie, comme les mots à la bouche, pour y trouver des merveilles. C'est là où je l'ai trouvé, un livre où on ne s'attend pas d'avoir autant d'études sur le sujet de la littérature lesbienne. La préface de cet ouvrage est rédigée par Suzette Robichon. Elle annonce la couleur. Cet ouvrage va donner envie d'écumer les librairies, bibliothèques, bouquinistes et peut-être même d'écrire. Lire est un voyage sans fin. Plus loin dans l'ouvrage, on nous explique.
Le titre que nous avons choisi, Écrire en encre violette, est titré d'un texte de Monique Wittig, toujours Monique Wittig, publié dans le journal féministe Le Torchon Brûle. Place l'ouvrage dans la continuité des mouvements de lutte, d'écriture et de recherche qui ont marqué l'histoire des femmes et des minorités, l'LGBTQI, du XXe et XXIe siècle. Le projet de ce livre naît d'un constat, celui de la publication foisonnante en France depuis 1900, de textes dans lesquels s'affirme un désir lesbien et parallèle celui de leur méconnaissance, voire de leur exclusion des institutions littéraires. Les autrices expliquent « Écrire en encre violette est le livre que nous aurions aimé avoir entre les mains plus tôt pour comprendre les racines de nos propres histoires et émotions, ou plus simplement pour lire autre chose ». La possibilité même d'établir un tel panorama repose entièrement, et je le salue chaleureusement, sur le travail énorme qu'ont mené depuis des décennies militantes, étudiants, journalistes, lectrices, archivistes, maisons d'édition et chercheuses indépendantes. Le parcours proposé dans le livre est globalement, mais pas seulement chronologique, partant des années 1900, il aboutit aux années 2020, et il a été publié en juin 2022, en questionnant au passage la manière dont la littérature lesbienne investit différents genres littéraires, poésie, récits de soi, fragments, essais, fantasy, science-fiction, policiers, romances. Nous avons tâché de montrer comment la littérature lesbienne se positionne par rapport à l'histoire générale de la littérature et redéfinit le sens des rapports entre littérature et société. Alors, c'est un cadeau à faire, à se faire, et non seulement il va ouvrir des pistes sur de nouveaux cadeaux, puisqu'il y a 30 pages de bibliographie, qui sont autant donc de pistes à découverte, et la postface de Catherine Gonard et Elisabeth Lebovici, elle conclut. Les autrices, nos autrices, ont osé tout bousculer, nous inquiéter, nous happer pour déployer devant nous d'autres mondes. Ce qu'elles nous ont surtout appris, c'est que la littérature nous donne corps autant que parole. C'est en tant que jeune chercheuse, lesbienne, bi, folk queer, engagée depuis un certain temps dans des recherches sur la littérature lesbienne par plaisir, par intérêt militant et par conviction scientifique que nous signons cet ouvrage. 80% des droits d'autrice sont reversés au fonds de dotation féministe et lesbien. Bravo et merci à Aurore Tubio, Margot Lacard, Manon Berthier, Alexandre Antolin, universitaire spécialiste en littérature indispensable dans nos bibliothèques. Bravo. Merci, bravo. Passionnant avec toi aussi, Valérie Beau. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Nous allons poursuivre maintenant avec Jean-François Kérissic. Alors, on va parler réveillon au théâtre et au ciné en concert, Jean-François. Ah, je vais vous faire un petit programme de fête que vous ne passerez peut-être pas à la maison. Si vous n'avez pas envie de cotillonner mon néologisme du jour, ni de faire une ribambelle de bises aux diverses tantes qui piquent dans l'acceptation générale du mot, ainsi qu'au tonton bourré avant minuit. Si la dinde fourrée, je ne parle pas de Maria Carré, ne vous inspire pas. Si les heures à table se terminent au fond d'un gigantesque terrain de votre chalet à Gstaad, en Suisse, vous ennuie d'avance, il y a des solutions que le monde de la culture vous propose. On va commencer par la Comédie française, on va être à Paris, avec l'adaptation du Roi Lear de Shakespeare par Thomas Ottenmeyer, qui est un grand metteur en scène, excellent, qui est un peu invité souvent maintenant à la Comédie française et on en est très content. Et cette année, il s'attaque au Roi Lear, je vous le conseille, il reste encore des places. L'Opéra de Paris propose aussi Le Lac des Cygnes sur une musique de Tchaïkovski à Bastille, dans la chorégraphie de mon idole de toujours, Rodolphe Nourieff. C'est la beauté incarnée pour les fêtes. Donc faites-vous plaisir. La scène musicale propose une nouvelle adaptation de Starmania par le metteur en scène Thomas Joly, qui était précédemment au Théâtre du Quai à Angers. Toujours donc la musique de Michel Berger et le texte de Luc Plamondon, mais un vrai coup de frais sur cette comédie musicale qu'il ne faut absolument pas louper. C'est très très beau. Le Châtelet propose une version de 42nd Street, la comédie musicale de façon Broadway américaine qui date des années 80. Vous pouvez y aller aussi parce que, comme West Side Story, c'est vraiment un moment rare. On va partir un tout petit peu en province. Quand même, on va aller à Lyon. Moi, je dis quand même, mais il y a beaucoup de respect, hein, pardon. Voilà, si j'avais rien dit, personne n'aurait relevé, en fait. Non, mais je dis quand même, parce qu'on parle toujours de Paris, mais rarement des régions. C'est vrai. Ça s'enfonce pas. C'est dans ce sens-là. Voilà. Donc l'Opéra de Lyon, que j'aime beaucoup, il y aura un Candide de Bernstein, opéra rarement produit en France, et Wayne Marshall, le pianiste Wayne Marshall, rendra un hommage à la musique américaine le 31 décembre. Et on va descendre un petit peu jusqu'à Nice avec Coppelia à l'Opéra de Nice, le chorégraphié Éric Vouhan et le ballet Nice Méditerranée, Éric Vouhan étant l'un des grands danseurs de l'Opéra de Paris.
À Monte Carlo, Monaco, il y a Faust, monté et chorégraphié par Jean-Christophe Maillot. Donc voilà, on descend vraiment dans le sud. Et je vais remonter par Strasbourg et l'Opéra National du Rhin pour une flûte enchantée magistrale. On ne la présente plus. Mais si malgré tout ça, on ne s'en lasse pas. Moi, je pense qu'on ne parle pas vraiment de la même, mais je pense que celle de Strasbourg, elle va être Ils sont très dissipés ce soir. C'est la fin de l'année. Celle de Strasbourg, elle va être vraiment pleine de paillettes en plus. Si vous aimez les princesses, bien sûr. Mais si la dinde vous regarde toujours d'un œil vitreux, alors j'aurais vraiment bossé pour rien. Mais franchement, je vous aime quand même. Merci, voilà. Merci, c'était vraiment formidable. Bravo. Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on poursuit avec toi, David Alphen. Tu termines cette année 2022 en beauté avec ta participation en tant qu'auteur à la Yaoi Hurricane. Une très belle expérience, je crois, pour toi et les visiteurs de ce festival qui a eu lieu les 3 et 4 décembre dernier. Même si je ne suis pas certain de comprendre ce qu'est la Yaoi Hurricane, tu vas tout nous dire et tout nous faire savoir. Oui, Brahim, je termine cette année de façon queer et pop grâce à ce magnifique festival de bande dessinée LGBT. Alors, la Yaoi Hurricane, qu'est-ce que c'est ? Anna Aguirre, ma collègue chroniqueuse queer and pop, avait déjà abordé la question du yaoi dans une de ses chroniques. Le yaoi, ce sont des mangas comme Dragon Ball Z ou Naruto, hein, qu'on connaît tous beaucoup. Mais avec cette particularité, ce sont des histoires d'amour entre hommes, souvent très graphiques, avec des garçons très androgynes, à l'attention d'un public principalement féminin. Et le manga Yuri, c'est l'équivalent avec des histoires d'amour entre filles. Cette convention, c'est l'occasion pour les visiteurs de rencontrer les auteurs de ces œuvres. Et j'y étais invité, non pas comme auteur de manga LGBT, puisque ce n'est pas ce que je fais, mais de comics LGBT avec Fusion Man. Alors la Yaoi Hurricane, c'est d'abord une équipe de passionnés nés à Lyon, quasiment que des femmes, qui ont décidé de créer ce salon il y a maintenant 10 ans. J'y avais été invité pour présenter le court-métrage Fusion Man il y a plusieurs années à Lyon et ça avait été un succès de dingue. Le salon avait attiré énormément de monde au point que le festival s'est délocalisé à Paris dans une grande et belle salle à Villejuif plus exactement. Alors, pandémie oblige, pas de Yaoi Hurricane évidemment depuis 3 ans, donc ce retour était très très attendu, d'abord par les auteurs comme moi, hein, pour retourner à la rencontre de nos lecteurs, et par les lecteurs eux-mêmes, en manque de salon et surtout de safe space, car c'est bien de ça qu'il s'agit à la Icon. Oui, c'est plus court de dire Icon que Yaoi Hurricane. La Icon ou Y-Con, c'est un espace de liberté et de sécurité pour les jeunes et moins jeunes LGBT. La bienveillance est la reine du week-end. D'abord, grâce à un professionnalisme pouvant faire rougir certains salons du même type, pas étonnant, l'équipe organisatrice est aussi rigoureuse qu'agréable, et je le reprécise, comprendra qui voudra, composée quasi exclusivement de femmes. Mais aussi grâce à la générosité et la gentillesse des visiteuses et visiteurs du salon. Tout le monde sait qui elles viennent dans un événement LGBT, pas de regard de travers, d'hétéro gêné, qui fait un demi-tour discrètement en panique quand il se rend compte que le livre qu'il tient entre les mains contient un bisou entre deux garçons. C'est un peu le paradis des LGBT, cette Y-Con, mais un paradis dont on peut profiter de son vivant, et ça c'est pas mal. C'est sans doute la façon dont les hétéros se sentent au quotidien, en tout cas c'est ce que j'imagine. Pas inquiétés par qui que ce soit, pouvant être eux-mêmes, en connivence avec les gens autour d'eux, inclus, compris et vus. Parce que oui, au niveau des ventes de Fusion Man, ça a été du délire et je suis revenu tout léger chez moi alors que j'avais presque une centaine de livres avec moi le premier jour. Mais ce qui a fait de ce week-end un week-end d'exception, oui, j'ose le dire, un week-end d'exception, c'est cette bienveillance, pouvoir embrasser mon compagnon venu me filer un coup de main sans regarder par-dessus mon épaule, discuter, partager, échanger avec des gens sans aucune appréhension sur les questions LGBT. Et bah oui, pouvoir simplement, pendant 2 jours, complet, être moi-même, c'est ça qui a tout changé. Pouvoir être moi-même, pouvoir être nous-mêmes. Merci la Yaoi Hurricane pour ce cadeau de Noël en avance. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. On retrouve Denis Martin Chabot dans Planète Arc-en-Ciel au Canada. Il nous explique que l'ambassade de Russie part en guerre contre les communautés queer. On l'écoute.
le cercle des chroniqueurs. Anne-Catherine Mesure, programmatrice du Festival des images Homo à Toulouse, qui va nous présenter un film. Bonsoir Anne-Catherine, comment ça va ? Bonsoir, ça va bien. Merci de nous rejoindre pour terminer cette émission. On t'écoute Anne-Catherine, qu'est-ce que tu nous proposes de bien ? Alors, je vous propose un film pakistanais qui est Joyland, de Saïm Sadiq, qui dure un petit peu plus de 2 heures et qui va sortir à la fin du mois, là, le 28. Donc, c'est un film qu'on a pu découvrir au dernier Festival de Cannes, dans la catégorie Un certain regard, et qui a reçu d'ailleurs le prix du jury, et qui a reçu aussi la Queer Palm, qui était présidée à ce moment-là par Catherine Corsini, une réalisatrice française lesbienne, qui est connue pour La Fracture et d'autres films. Donc, le speech du film tourne autour de 3 personnages. Il y a Eder, qui est un homme marié, qui est sans travail et qui vit dans la maison familiale sous l'autorité de son père, avec son frère et l'épouse de son frère. Et son épouse, évidemment, Nuki, qui est coiffeuse et qui adore son métier et qui est en même temps intégrée à cette famille par obligation, hein, puisqu'elle s'est mariée. Et puis, il y a un troisième personnage qui est Biba, une femme trans, qui est danseuse dans un cabaret. Et qui souhaiterait être reconnue pour son talent de danseuse. Et donc voilà, donc chaque personnage a ses désirs, ses rêves de liberté. Et donc le film, et en même temps, donc chacun est aussi très humanisé dans ses défauts et dans ses qualités, donc ils sont assez attachants. Et le film est intéressant puisqu'il montre un système patriarcal bien installé, où en fait aucun de ces personnages n'est véritablement libre. Et donc ça évoque évidemment un mariage arrangé, puisque Eder et Nuki se sont mariés parce que il faut se marier à un moment donné. Ça montre les obligations familiales, le fils qui obéit au père, l'épouse qui obéit à son époux. Et ça questionne sur la place de la femme, évidemment, sur son espace de liberté ou de non-liberté, sur l'homosexualité aussi, puisque Eder, dans sa recherche de travail, va être aidé de Biba, qui est danseuse, mais il va y avoir aussi une relation qui va se nouer entre Eder et Biba, qui est une femme trans. Et donc, ça évoque aussi la transidentité féminine, et qui est à la fois un objet de fantasme, puisque c'est une transgression, et en même temps, la société patriarcale qui renvoie à une place de femme qui a même une place enfermée et inférieure à l'homme. Donc voilà, le film est hyper touchant, très beau. Et moi, j'ai vraiment été très, très, très émue par la fin. Donc là aussi, les personnes un peu sensibles, peut-être prévoir un Kleenex. Très beau film à découvrir le 28 décembre. Alors justement, je vais faire réagir un peu Valérie Bou, qui connaît. Merci et bravo pour ta chronique, parce que justement, le film a été présenté au Festival Chéri Chéri, et il a été primé, compétition fiction, il a reçu le grand prix du jury. Et le réalisateur était présent, très ému aussi, de ce prix. Ouais. Oui, et c'est le premier film pakistanais à Cannes, donc vraiment, c'est un très beau film pour découvrir... le cinéma pakistanais, et ça ne m'étonne pas que vous l'ayez primé à Chéri Chéri. C'est un vrai chef-d'œuvre. Juste une brève question. C'est un film pakistanais, mais du coup, c'est un film qui a été tourné au Pakistan, ou c'est un film pakistanais où ça n'a pas pu être tourné au Pakistan, justement à cause du rejet sur les thématiques LGBT. Le réalisateur a dû travailler à l'étranger. C'est une bonne question, je ne me l'étais pas posée, donc j'ai pas fait de recherche de ce côté-là, donc je suis prise un peu au dépourvu, mais c'est une très très bonne question que je creuserai par la suite. On va fouiller et on répondra à cette question l'année prochaine. En tout cas, merci pour cette question Nicolas Rividi, merci Anne-Catherine pour cette intervention et nous avoir présenté ce beau film, effectivement, qui était donc primé au Festival Chéri Chéri. C'est fini pour ce soir, alors quel temps fait-il à Toulouse ? Froid comme un peu partout ? Froid et humide, c'est froid vraiment pas une jolie soirée, il y a du vent, il pleut, il caille monstrueusement, mais c'est la fin d'année, je suis content. On te donne rendez-vous l'année prochaine Anne-Catherine ?
Totalement. Ouais. Totalement. Merci, on t'embrasse très fort. Et on pense aussi à nos amis David Alphen et Denis Martin Chabot. Qu'est-ce que vous pouvez dire de bien et de bon de nos amis David et Denis Martin Chabot pour leur rendre hommage? Pourquoi ils sont morts? Non. Ça s'est entendu. Non, ils sont pas morts. On les embrasse et on les retrouvera donc dans le prochain podcast. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir tout le monde. Bonne fin d'année à toi, Valérie. À très vite, oui. Au revoir, Étienne. Au revoir, je les souhaite. Vivement les prochaines images sur le net. Au revoir, oh, Nicolas. Oui, Sylviana, oui, j'aimerais faire un clin d'œil à Jeanne Moreau qui a brillamment animé la chronique sur les. C'est un choix de fête en fin d'année. Voilà. Ouais, alors Jean-François, merci. Merci. Non, ça c'est mon bousy. Je suis très fier de faire la Jeanne Moreau ce soir. Ouais. C'est mon meilleur rôle. Ouais. Enfin, je trouve un truc pour l'année prochaine. Je veux bien faire José Dayan. Éric Garnier, on était heureux de te revoir. Oui, alors. Et surtout, n'oubliez pas les marrons glacés, les dindes truffées. Tout ce qui se fourre. Hein. Lisez, regardez. Écoutez, je crois que ce soir vous avez fait plein de tas de conseils et franchement, il n'y a pas que la bouffe faut dans la vie. Aussi, ouais. Baiser, mais ça, bon, c'est, ça va de soi. Je ne l'ai pas assumé, c'est pour ça que j'ai demandé à Nicolas. Il connaît, alors au revoir. Oui, au revoir à tous, oui, avec Antoine, un grand soupir. Tu t'en vas à Biarritz Bon, je peux le dire. Bah non, tu peux pas le dire. Mais si, tu t'en vas à Biarritz. Bah non. Et d'ailleurs, tu ne reviens qu'en 2024. Au revoir à notre réalisateur Nathan. Oui, sans qui. Au revoir, au revoir. Ouais. Malheureusement, c'est une fin d'aventure. D'aventure pour cette année. Pour cette année, effectivement. Cette année. Oui, effectivement. Oui. Et encore une fois, un coucou à David Alphen et Denis Martin Chabot qu'on retrouvera dans ce. Encore. Effectivement. Et Annabelle. Et Annabelle, oui. Effectivement, et qu'on embrasse aussi très, très fort, qui est rentrée, il me semble d'ailleurs aussi. À Annecy, il me semble. Ouais. Voilà, donc on l'embrasse très très fort et on espère qu'elle reviendra aussi l'année prochaine en pleine forme pour cette super émission d'ailleurs, parce qu'il me semble que ça recommence le 9. Ça recommence le 9 janvier. Et merci à toutes les auditrices et auditeurs qui nous suivent, qui nous écoutent depuis maintenant de nombreuses années. Et qui nous supportent. Qui nous supportent, effectivement, il ne faut pas l'oublier. On vous embrasse, bonne fin d'année et à très vite, à l'année prochaine. Et ça va vite passer pour vous retrouver. Ciao, ciao. Hey, oh non, cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.